figure désormais incontournable d'affaires conclues, Diane Châtelet a accepté de se livrer auprès de Pure People. Comme l'acheteuse s'est notamment confiée sur les récents choix qu'elle a dû prendre afin de se dégager plus de temps pour de nouveaux projets professionnels et sa vie de famille. Depuis 2018, Diane Châtelet est une acheteuse récurrente de l'émission Affaires conclues. En tant que véritable passionnée des œuvres d'art, et plus particulièrement issue du 19e et du 20e siècle, elle est assurément devenue une antiquaire qualifiée avec ses années d'expérience. Ses connaissances, Diane Châtelet les partage au sein de sa boutique au marché Serpette, le plus grand marché d'antiquités au monde niché au cœur des Puces de Saint-Ouen. Avec son associé Jeff Régis, elle y proposait des biens d'art d'exception ou encore du mobilier rare. Malheureusement, ils ont décidé de mettre fin à cette aventure le 23 avril dernier. Lors d'une interview accordée à Pure People. Comme, Diane Châtelet a expliqué ce choix difficilement pris mais nécessaire pour elle, tant son planning devenait trop chargé avec toutes ses activités professionnelles. Je ne peux pas tout mener de front. J'ai les tournages évidemment qui prennent un peu de temps, je chine beaucoup, si est ce qui me plaît le plus dans le métier, je fréquente aussi beaucoup les salles des ventes et je fais du courtage, ce sont des collectionneurs ou particuliers qui veulent acheter ou vendre des œuvres d'art et qui me demandent de trouver un acheteur ou un vendeur. Tout ça me prend beaucoup de temps et d'avoir cette boutique à tenir, du vendredi au lundi, c'était énorme comme travail. Je commence à m'essouffler, à m'épuiser, et là j'en profite pour lever un peu le pied et entamer ces nouveaux projets qui tardaient à venir parce que je n'avais plus le temps, a-t-elle reconnu. Diane Châtelet, une maman avant tout qui plus est, Diane Châtelet est la maman de deux adorables fillettes, Hortense et Éléonore, 7 et 5 ans, qui demeurent sa priorité et avec lesquelles, elle, a envie d'être et profiter, nous a-t-elle confié. Si est avec son mari Aurélien que la pétillante Brune Ceste construit cette jolie famille et auprès de qui elle parvient à tout gérer au quotidien. On est forcément obligé de s'organiser. J'ai un planning à la maison avec mon mari. Lui et moi sommes obligés de nous déplacer régulièrement pour le travail, alors on se relaie beaucoup. Il m'aide énormément, a-t-elle souligné. Et lorsqu'ils ont la chance de se retrouver à quatre, la petite tribu fait tout ensemble. Comme mes enfants sont encore petits, j'ai très envie de les voir et de profiter, alors on fait énormément d'activités, on essaye vraiment de leur donner une richesse culturelle. On fait des visites, des balades, des choses très variées. Et nous, on fait des concessions sur ce qu'on veut et on privilégie nos enfants évidemment, nous a encore expliqué Diane Châtelet. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Pour et Péole. Comme